Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, l'entraînement du jour, ça va être un format un peu particulier. Vous allez avoir un AMRAP de 3 minutes, où vous allez avoir 1 minute de repos et répéter ça 5 tours. Donc 5 tours, AMRAP 3 minutes, 1 minute de repos. À la démo, Yvon et Antoine. On aura AMRAP 3 minutes, 16 dumbbell hang squat clean. Ça va ressembler à ça. Donc votre but, c'est de démarrer avec la charge entre vos deux cuisses. Bien sûr, vous pouvez prendre un sac à dos ou un kettlebell. Vous allez sauter et réceptionner en full squat. Hang, ça sous-entend que vous allez démarrer en suspension, donc la charge au-dessus des genoux. Vous pourrez mettre la charge entre vos deux cuisses ou à l'extérieur. Vous avez 16 répétitions et en scaling, vous aurez 12 répétitions. Une fois que vous avez fait vos 16 répétitions là-dessus ou 12 répétitions, vous enchaînez sur le temps restant avec un max de double under. Ça va ressembler à ça. Hey, j'ai réussi. Ouais, pas mal, pas mal. Sinon, l'idée, ça va être ça. Ok, tu peux relâcher. Donc, la semaine dernière, on avait eu un entraînement qui ressemblait vachement à ça, où il fallait faire 16 répétitions de clean enchaînées derrière avec un max de burpee step-up. L'idée aujourd'hui, c'est de varier et de changer avec des double under. Là, le temps, il a un peu avancé, vous avez 3 minutes. Donc, sur 3 minutes, les 16 squat clean, ça va vous prendre 45 secondes. Du coup, derrière, vous allez faire un gros volume de double under. C'est l'occasion aujourd'hui de travailler, pratiquer vos double under. Concentrez-vous sur le fait de garder vos pieds joints, de faire un saut où vos jambes restent tendues, de garder vos coudes proches des côtes et d'aller du haut vers le bas, du haut vers le bas et de mettre de la vitesse notamment sur cette transition. À chaque fois que vous sautez en l'air, papam, et à chaque fois que vous retouchez le sol, boum, vous rebondissez avec vos doigts de pied. Donc, pam pam ici et boum quand vous êtes en position basse. Max de répétition et votre score, ça sera le nombre total de double under et également la charge que vous allez utiliser sur le dumbbell hang squat clean. Maintenant, en warm-up, qu'est-ce que vous allez travailler? Vous allez travailler sur 2 rounds de 10 squats. Vous allez démarrer bras tendus, pied largeur des épaules. Votre but, ça va être de commencer à descendre en full squat. Ça va donner ça, direct. J'ai oublié un S à squat au tableau, mais c'est pas grave. Une fois que vous avez fait vos 10 squats, vous prenez la corde et vous enchaînez avec 10 single under. Ça donne ça. Vous allez faire en sorte de vous concentrer sur le fait d'être pointe de pied, de sauter, d'être relâché. Et là, vous voyez, les bras du haut, ils bougent très peu. Les épaules sont relâchées, c'est vraiment ses poignets qui vont du haut vers le bas. Une fois qu'il a fait ses 30 sauts à la corde, donc 30 single jump, il part sur 2 tours comme ça. Et ensuite, il enchaîne avec 2 autres tours, 10 half squat jump. C'est un quart de squat avec un jump, ça donne ça. Le but, c'est de commencer à travailler votre explosivité sur le saut. Alors, attends. Quand vous allez faire ça, il y aura 2 transitions. Vous aurez une transition sur le squat clean pour sauter et chuter en squat et une transition sur les double under pour mettre de la vitesse sur l'impact au sol. Je touch and go, touch and go. Une fois qu'on a fait ces 10 half squat jump, on repart directement derrière sur 30 répétitions de single under en se concentrant sur le travail qu'on a vu juste avant. C'est good. Une fois qu'on a fait ça, on part sur le workout et en finisher aujourd'hui, on va travailler et renforcer un petit peu les cuissas. Ça va donner ça, on fera des front rack déficit lunges. Vous en aurez 12 à faire et ensuite vous aurez 2 minutes de repos pour 5 tours. L'idée quand vous allez travailler là-dessus, ça va être de mettre une charge qui va être assez conséquente pour partir sur un élément qui sera en hauteur, de venir reculer un pied vers l'arrière, de poser le genou à terre et ensuite de revenir en position de départ. Vous allez faire 12 reps à droite, 12 reps à gauche. Ça va vraiment brûler dans les jambes, mais ça va être intéressant pour vous permettre de travailler un petit peu l'équilibre et renforcer vos membres inférieurs. Est-ce que ça va, Yvon? Ouais. C'est cool? Tu es prêt pour aller coacher? Ouais. Ok. Merci à toi pour ces démonstrations. Merci Antoine qui est déjà parti. On se retrouve aujourd'hui à midi pour le WOD Zoom sur le numéro de réunion 21 15 9 75 001 avec le mot de passe CF Louvre. Et venez nombreux, c'est vraiment cool les Zooms. Vous avez une belle équipe de coachs qui vous encadre sur les Zooms. C'est vraiment sympathique. Venez, ça nous fera plaisir. Merci à tous. En tout cas, merci Cassie pour la vidéo. Ciao, bonsoir.